Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui sur comment voir que son serpent va pas tarder à muer. Donc voilà un boa constrictor qui s'apprête à muer. On voit que la couleur est beaucoup plus terne que d'habitude. On regarde la queue. Elle est peut-être sur la défensive parce qu'elle voit rien aussi. J'ai quand même méfié. Mais là, c'est beaucoup moins rouge que d'habitude. Et surtout, si on regarde ses yeux, là, son œil, il est bleu. Il est vraiment opaque. Là, il voit vraiment plus rien. En fait, c'est le liquide lymphatique qui est entre l'écaille et l'œil. Enfin, l'écaille de l'œil et l'œil lui-même, quoi. Et ça sert à ramollir la lunette, en fait. Enfin, l'écaille de l'œil qu'on appelle la lunette pour que la peau, en fait, se détache plus facilement, se ramollisse et que le serpent puisse mieux. En fait, il y a ça partout, mais on le voit plus sur la lunette parce que l'écaille est plus fine. Mais même si on regarde juste à côté, c'est légèrement bleuté. Enfin, tout est un peu plus bleuté en fait. Généralement, ce liquide après va s'étaler partout, donc la couleur devrait redevenir normale. Et encore après, elle devrait muer, quoi. Et avoir des couleurs beaucoup plus soutenues que là, quoi. Ouais, c'est tout. Voilà. On est quelques jours après. Elle est toujours aussi terne. Par contre, si on regarde ses yeux, là, son œil, il a une couleur normale. Il est plus bleu comme avant. Et bon, elle est toujours terne. Normalement, là, il nous voit. Bon, elle est toujours aussi nerveuse parce qu'elle est en mue. Donc, elle sent général. C'est pas le moment de vraiment de l'embêter. Mais voilà. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder à muer. On voit bien avec le téléphone, ça se voit bien. Les reflets bleus, ça devrait disparaître. Parce qu'il y a il y a le liquide en fait qui s'est éparpillé vraiment partout maintenant. Pour bien ramollir la peau, quoi. Nous voici à la dernière étape qui est la mue en elle-même. Elle a commencé à muer là-bas. Ça se voit. De lumière. On a vraiment la vraie couleur. Et la mue qui est là. Je vais la sortir, je vais la dérouler. Tout on va voir. Espérons qu'elle se complète. Et apparemment non. J'ai pas la tête ici. Dégueulasse son terrain aussi. Ah non, elle a sous la tête, elle a encore un bout. Là, j'arrête de filmer et je vais lui enlever ça.
Alors voilà madame. Et en fait, il y avait juste ça qui traînait sous les gorges. Et il y avait un petit bout de queue. Là. Juste ça. En voyant ici. Il manque un petit bout de queue. Celui que je viens d'enlever. Il y a une partie de la tête qui manque et que j'ai pas retrouvée, qui n'est pas sur elle. Ça doit être une petite boule quelque part et le petit bout de la mâchoire en dessous là, que je viens de lui retirer. Ah, une anguille complète. Donc je la mesurerai demain, je la filmerai demain aussi avec la lumière du soleil pour voir la différence de couleur. Celle-ci elle doit pas faire 23 mètres, je pense. Hein, je verrai bien demain quand je la mesurerai exactement comme. Et je montrerai ça quoi. La lumière, elle fait 2,80. Ça regarde les couleurs de celle-ci. Mais c'est pas comparable. Cette belle queue rouge. Ces couleurs sont revenues vraiment comme avant quoi. Elle est plus cool que quand elle avait les yeux bleus. Ouais, on peut la toucher quoi. J'aime bien la mettre à la lumière. On va mettre la couleur quoi. Par rapport à l'autre fois. Elle est quand même moins terne. Bon bah voilà c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris certaines choses. Et bah, je vous dis salut à la prochaine.